retour pour la finale. Malheureusement, le toss a été perdu, mais je crois que, au vu de la main, c'est pas si mal. Je vais keep. Le blanc, ça reste la couleur majoritaire. J'ai 3 tours pour piocher un blanc. Quand même pas terrible, j'aurais pas dû la garder. J'ai peut-être été un peu hâtif parce qu'il faut que je pioche du blanc mais du rouge. Du coup, il y a deux cartes que je pourrais quasiment pas jouer. Ouais, c'était peut-être un mulligan. YOLO, je vais piocher le bilan de blanc-rouge. Ah, ça suffit même pas à caster ça. YOLO, YOLO, tout simplement. On est en finale, on veut faire des bonnes sorties. Mais oui, je recommanderais pas après coup ce keep. Wouah! Oh là là, complètement reward de ce mauvais choix. Ça en devient presque sale. Parce que c'est pas mérité. Enfin, au moins de faire tour de ça, au vu de ma main de départ. Tour de ça avec la discard, j'entends. Du coup, je sens que j'ai pioché montagne bientôt, vu comment c'est parti. Il fait death de vert. Ouh. Donc le rush, c'est sûr. Je pense que c'est le 2-3 après, parce que si je pioche une rouge, je préfère jouer mon 5-4. Waouh. Oh, c'est complètement injuste la sortie que je fais. On pourrait croire que j'ai gardé une main super solide alors que non. Mais bon, ça arrive des fois. Faut profiter de ces moments-là, même si c'est pas encore gagné. J'espère juste qu'il va pas faire un 2-5. Ça y ressemble. Waouh. C'était. Je le voyais, je l'ai pas vu venir celui-là, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Top deck 1, 2, 1 fly. Il pioche sa verre. Il a 3 cartes en main. J'espère que c'est pas un main rot. C'est chiant, mais ça peut aller encore. Ah mince! J'ai oublié de la démorpher. Ah quel gland! En plus j'y ai pensé. J'y ai pensé. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Tant pis. Si le 5-4 arrive à toucher le board, ça va être. Même là, je pourrais quasiment attaquer avec tout. Ah, bon, ok. Alors, si il activate Blade, c'est possible que j'attaque avec tout. Il a remballé. Une bonne draw, quoi qu'il arrive. Je vais virer 0-4 que j'aurais pas dû mettre dans le build. Peut-être un act of treason. Du coup, j'ai vraiment un léger splash noir. 3-6. Peut-être je devrais faire 5-5. Envie de mon rouge, enfin j'ai envie de faire rouge en fait. Le truc c'est que ça remet en cause ces deux cartes.
C'est vrai que je pense que je vais mettre une rouge supplémentaire. Add basic. Peut-être je les mets à le build. Non, une rouge j'ai dit. Elle est bien rajoutée. Du coup, voir virer ça. Mettre même un Arrow Storm. Du coup, vu qu'il joue bleu noir, plutôt un éphémère. Peut-être même un. Non, j'ai déjà mis un Act of Treason. Je vais la tenter comme ça. Vraiment pas sûr. Un peu compliqué parce que ma mana base est. Après, j'ai que deux. Et bancal, mais j'ai que deux early drop noir. Donc c'est. C'est. En fait, c'est chiant si je le fais pas tour 2. Mais après, c'est vrai que ça arrivera rarement au final que je les ai en main de départ, même si je les ai souvent fait tôt. J'ai un Shrieker plus tard qui pourra les poser. Après, c'est bien aussi pour les 1 Death Touch. Ah, il a remballé. Bon. Soit. Bah, décidément, c'est pas le premier draft où on concède la finale. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour un nouveau draft.